Bonjour mes belles âmes, c'est Nati. Pour cette période des fêtes et des étrennes, je vous annonce que j'ai ouvert une cagnotte Litchi. Pour ceux qui souhaiteraient me faire un cadeau de Noël en guise de remerciement pour les guidances que je poste et les messages que je vous transmets de l'univers et de vos guides à travers les vidéos que je partage gratuitement chaque mois tout au long de l'année. Grande ou petite somme, votre soutien me permettra d'investir dans du nouveau matériel comme une caméra, un son plus net, une meilleure lumière et beaucoup d'autres choses pour améliorer la qualité de mes vidéos et vous rendre le visionnage encore plus agréable. Vous souhaitez contribuer? Le lien vers la cagnotte se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Et il est épinglé ici, en haut. Merci du fond du cœur pour votre générosité et votre bienveillance. Je vous souhaite à tous un merveilleux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans vos vies et de l'abondance dans tous vos domaines. Gratitude à vous tous. Je vous fais un gros bisou d'amour. Bonjour mes Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, tout se passe bien de votre côté. Donc c'est Nati, donc là ça va être du 9 au 15 décembre 2024. Vous ne prenez s'il vous plaît que ce qui vous parle, faites preuve de bon sens, le reste vous le laissez pour quelqu'un d'autre. Allons-y. Alors, oh là là, non, non, il y en a trop là, il y a la fête, vous allez fêter quelque chose. Hein. Joyeux anniversaire, les Sagittaires. Productivité, gratitude, ouais, et là, maître, on va maîtriser quelque chose. Hein. Quelqu'un va vous aider, quelqu'un se prend pour votre maître aussi, faites attention à ça. Après, il y a les fêtes de fin d'année. Hein. Repli sur soi-même. Bah alors, mes Sagittaires. Repos, hein. Besoin de repos aussi, hein, mes Sagittaires, de se coucher plus tôt. Hein. Manque de sommeil. Hein. Être au calme, au vert. Hein. Voilà, c'est l'hiver. Hein. Vous fiche la paix aussi. Quelqu'un qui vous fiche la paix. Pour d'autres personnes. Waouh, ça y est, on peut se poser ici. Ça y est, il y a quelqu'un qui peut se poser parce que ça dépend, adapté, pourquoi vous pouvez vous poser. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous avez obtenu ce que vous désirez? Ou vous êtes sur le point de l'obtenir? Et pour d'autres, bah, peut-être vous allez explorer, exploration d'une nouvelle avenue, d'une nouvelle vie, d'un nouveau pays. Est-ce qu'on explore pour déménager? Est-ce qu'on explore quelque chose? Ou alors on analyse aussi, on essaye de trouver quelque chose. Hein, c'est ce que j'ai. Est-ce que vous avez trouvé justement quelque chose? Et du coup, là, ouf, on va souffler. Méditation et protection rituelle. Ah, bah écoutez, pour certains et certaines, vous savez que moi je suis guérisseuse et ancestrale, donc du coup la passation, c'est de ma grand-mère, hein, passation du rituel et des paroles sacrées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un résumé. Ok, fiez-vous à votre intuition, on vous dit aussi. Et méditer, et pareil, quand on médite, on est au calme, on trouve un endroit calme, posé, où on se sent bien, vous voyez, et mais je vous trouve fatiguée quand même, donc pensez à ça, on va voir, mais pensez à ça, explorer, trouver quelque chose par vous-même. Ah ben on a le couple, on a le diable,
Alors, je vais vous dire après. On parle de poisson cancer, si ça vous parle, bien entendu. On vous parle des capricornes, de bélier, d'accord. C'est bizarre l'exploration, puis on a l'international aussi, et puis on a la famille, les émotions, un choix à faire, d'accord. Les émotions, le passé aussi également, hein, d'accord. Donc là, il y a un travail à faire dessus. Vous avez le diable. Bon, je vais vous expliquer. Donc, je fais juste quelque chose. Hop. Alors. Et oui, encore. On a le 6. Le 6. On a les Gémeaux. Le 6, le choix, mes amis. Bon, le choix vous revient. Ça, c'est votre synthèse. Ça, c'est vous, d'accord. Ça, c'est ce qui va... ça, c'est vous, d'accord. Vous, c'est une générale, hein. Mais tous les domaines confondus peuvent ressortir. Un domaine, deux domaines, trois domaines, c'est à vous de l'adapter. Et après, on verra le sentimental, hein. Mais avant tout, je vais les recouvrir par la suite, hein. Donc, tiens, on va commencer. Donc ici, on a l'impératrice, on a un projet pour certains et certaines, hein, d'accord. Pour d'autres, on a la création d'un nouveau poste, pour vous, la création d'une entreprise, la création de peut-être vous créer des choses, où vous avez envie de vous lancer à votre propre compte, hein, ça pourrait être ça. Ouvrir quelque chose, vous lancer à votre propre compte. Bon, je les prends, elles sortent par deux. C'est marrant ça, tiens, regardez. Vous avez l'amoureux, l'amoureux. Et ici, voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon. Mais c'est pas évident, c'est pas facile, va falloir batailler. Il y a un combat à remporter, d'accord, face à ce diable, hein, de toute façon. Alors, ce qui peut, ce qui va... par rapport à vous, c'est les émotions, la famille, peut-être de retrouver la famille, d'être en famille. Vous voyez, ça peut parler aussi de faire un choix, d'accord. Et la puissance, la communication. D'être avec sa famille aussi, hein, d'accord. Donc les parents, les enfants, enfin, vous voyez, à vous de voir. Hein. Pour d'autres, les émotions ont été touchées, il y a eu un chamboulement. Pour d'autres, ce qui va contre vous, en tout cas en opposition, défaveur, c'est ce diable. Ce diable, on a l'impression ici d'ailleurs, qui n'a pas été équitable. Il y a quelque chose, ou quelqu'un plutôt, qui n'a pas été équitable avec vous, hein, d'accord. Et par rapport à quelqu'un ou quelque chose, ou une situation où vous vous sentez enchaîné. Il faut briser ces chaînes ici, hein, d'accord. Parce que du coup, on n'attire pas l'abondance ici, d'accord. Et il y a eu de la manipulation de la part d'une personne, hein, d'accord, qui n'a pas été, puisque c'est en opposition juste et équitable avec vous, une garce ou un, je ne sais pas comment dire un, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis c'est aussi ce qui va contre vous, c'est ces épées, c'est le mental, hein, d'accord. Mais je pense que ça, c'est aussi que vous avez l'impression d'être enchaîné. Peut-être que cette personne vous donne de l'argent après, hein, d'accord, parce que j'ai mis de l'argent.
où vraiment elle vous a fait vivre le calvaire, j'en sais rien. Et puis, ça pourrait être aussi quelqu'un avec les épées qui a un ego surdimensionné avec ce diable aussi, hein, d'accord? Et quelqu'un qui vous a fait croire des choses. Hein. Bon, là, il y a besoin de transgresser les limites. Il y a besoin aussi de sortir des fausses croyances qu'on n'y arrivera jamais. Il faut positiver, avoir la foi. Garder la foi, mais ardente. Vous voyez, encore plus ardente. Bon, ici en conseil, bah écoutez, j'ai calculé, ça tombe justement sur le 6, c'est-à-dire, on vous parle des Gémeaux ici, des Gémeaux, des jumeaux, des Gémeaux, et on vous parle d'un choix à faire, et on ne sait pas trop, vous voyez, on ne sait pas trop quel choix, qu'est-ce qu'on va faire comme choix. Est-ce que ce choix... Vous avez des doutes, des craintes ou pas assez d'argent peut-être aussi parce qu'il est ici en opposition. En tout cas, il faut ici, il est possible aussi qu'en conseil, pour ce choix-là, peut-être que vous voulez vous lancer à votre propre compte, puisque c'est quand même l'empereur, ou monter en grade, ou vous êtes à votre propre compte et il y a une prise de décision importante. Hein, d'accord? Après, ça pourrait être aussi le choix entre deux personnes, deux endroits, deux emplois, deux offres. Ça pourrait être ça aussi, pourquoi pas. Mais ça pourrait être qu'on veut se lancer à son propre compte, mais que vous y... Parce que quand c'est l'amoureux, le 6, il hésite, il est dans l'hésitation. Donc il y a quelque chose qui vous fait hésiter. Peut-être... Moi, je pense que le diable, là, qui a été injuste, voilà. Donc ça, c'était le conseil. Là, je vous ai lu la synthèse, mais je vais vous dire un petit peu comment l'évolution, comment ça va évoluer. Alors, ici, c'est tout ce qui est la médiumnité, c'est tout ce qui est la voyance, c'est la papesse, c'est le savoir. Peut-être rajouter du savoir au savoir, hein, d'accord? C'est une formation pour certains et certaines de vous, parce que, il y a besoin d'apprendre, de se perfectionner. Hein, ça, c'est possible. Et pour d'autres, ben, on se sent bloqué. Hein, d'accord? On se sent bloqué parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, vous pouvez très bien anticiper dans votre tête en vous disant ben, le pire, en fait. Hein, et surtout pas faire ça. Par contre... Il faut absolument vous débloquer, mais vous allez vous débloquer, regardez, il y a besoin de se débloquer, et vous avez ce jeune cavalier, d'accord, donc peu importe l'âge que vous avez, mais qui est fougueux, hein, d'accord, qui est fougueux, qui va au galop, qui a de l'énergie à revendre. Donc du coup, là... Comme ici, on est dans l'invisible aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a la médiumnité et tout ça, vous avez du potentiel, du savoir. Il est possible que l'évolution est que vous allez apprendre des vérités cachées ou que vous cachez certaines choses, hein, d'accord? Cachez vos projets déjà à ce diable. Ou alors... Vous cachez votre savoir et vous avez bien raison, ou quelqu'un veut absolument votre savoir, votre connaissance et tout ça. Ça pourrait être ça aussi, hein, d'accord? Et puis ici, en fait, on a. Puis cette personne, elle a de l'expérience, hein, d'accord? Ici, on a quelqu'un qui a besoin d'éclaircissement, hein, c'est pour ça qu'on met une boule de feu ici, hein, de la lumière. Et qui est pendu, et qui est pendu, et donc du coup, cette personne est suspendue, et elle va regarder la situation sous tous ses angles, 360 degrés, mais elle ne va pas rester tout le temps pendue comme ça, parce qu'on a, ici de la verdure, hein, d'accord, on a des plantes, du lierre, je ne sais pas trop, mais peu importe, qui pousse, hein, donc du coup, hein, tôt ou tard, on va se débloquer, vous allez tout faire pour vous débloquer. Et comme c'est en face, cette personne va jouer un jeu. Et cette personne, ça pourrait être vous aussi. Hein.
ou quelqu'un va vous conseiller. Et donc, du coup, une fois que cette personne, comment dire, une fois qu'elle se débloque, du coup, en fait, elle redescend sur Terre. D'accord? Et donc, la sève, c'est la vie aussi, c'est la continuité. Donc, du coup, on va se débloquer, tout va s'éclaircir et on part au galop. Faites attention, pas de précipitation, parce qu'avec lui, c'est génial, il est déterminé, il est motivé, tout. Mais le fait que je vous ai dit, c'est un jeune cavalier, la jeunesse, c'est dans le sens, et peu importe l'âge, c'est de se précipiter. Attention, attention à ça. Donc, utilisez bien plutôt la papesse, donc qui est tranquille, là, ici, qui étudie son projet ou elle apprend quelque chose d'autre, vous voyez, elle se perfectionne, hein, d'accord? Ou quelqu'un a essayé de vous bloquer aussi, mes chers amis, mais vous allez pouvoir vous débloquer. Mais il y a cette hésitation ici. Et là, je vais vous dire, on va regarder immédiatement. Donc, vous avez quoi? Et là, hop, et là, il y a tout à construire à bâtir. Donc, en fait, vous allez... vous allez me construire quelque chose et c'est marrant parce que je vais avoir l'empereur. Alors, c'est fou parce que chez les Vierges, ça a inversé aussi. Donc, c'est dingue. Hein. C'est drôle. Et ça m'a manqué de faire le tirage en croix. Alors là, pour trouver l'empereur avec toutes ces cartes, je ne vous dis pas. Il est magnifique cet empereur, mais vous avez l'empereur, hein, de toute façon, le voilà. Bah, quand je dis ça, vous voyez, puis c'est marrant parce qu'il était, c'est la fin d'un cycle. Alors, excusez-moi, là, j'ai rien dit, il se ressemble tellement. De faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on aime, d'être tranquille, vous allez pouvoir souffler, et c'est aussi d'obtenir ce qu'on a voulu de tout notre cœur, hein, d'accord. Et c'est marrant, j'avais la carte gold. Et donc du coup, coller comme ça, et hop, je l'ai découvert, hop, c'est magnifique. Bon, alors, vous avez ici, c'est marrant, c'est inversé, vous voyez bien, amoureux, amoureux, empereur, empereur. Et du coup, ici, on a un 4 encore, on va bâtir, peut-être vous allez vous lancer à votre propre compte, ou replacer une personne, mettre de l'ordre, être plus carré, plus distant et distante, hein. Peut-être vous n'avez pas su faire la part des choses, justement, poser des limites, justement, à cette personne, d'accord, ça c'est possible, mais en tout cas, vous avez pu ordonner, mais il va falloir s'organiser. L'empereur aussi, c'est le chef d'entreprise, c'est également l'auto-entrepreneur, c'est un poste à haute fonction, ça peut être directeur, enfin, ça peut être plein de choses, hein, d'accord. Ça peut être médecin, ça peut être plein de choses. Ça peut être un architecte, vous voyez, hein, ou être à son propre compte. Et c'est ça aussi le choix. Donc, peut-être que vous avez besoin quand même de conseils de quelqu'un qui peut vous prodiguer ces conseils parce qu'il ou elle est expert en la matière. Pour d'autres, en fait... pardon, excusez-moi. Pour d'autres, en fait... ici il y a quand même un choix à faire et se faire conseiller parce que justement on voit pas clair et se débloquer, vous voyez, débloquer cette situation. Et comment on peut débloquer cette situation? Pour d'autres personnes ici, c'est aussi d'endosser l'habit, la tenue et l'habit de l'empereur, et de reprendre votre place, votre souveraineté
Et votre force, votre puissance, votre confiance, votre assurance en vous, votre force intérieure, vous voyez? Allez, on va regarder maintenant, après, à vous d'adapter, c'est une générale. Allez, sentimental. Décidément, là, l'équilibre. Je l'avais ici avec, vous la voyez peut-être pas, mais il y a une balance. Alors, moi j'ai quelqu'un ici, j'ai deux choses ici. On va voir. Alors, vous vous remettez avec quelqu'un et puis quelqu'un, vous allez essayer de rééquilibrer les choses, vous allez essayer de trancher, il y a un choix à faire encore une fois, mais bon, il y a la réconciliation. On va essayer de s'équilibrer, d'expliquer les choses, d'être juste, équitable et tout ça. Et il y a une réconciliation pour quelqu'un, d'accord? Et du coup, bah, par la suite, hein, bah, c'est le naturel qui revient au galop. Un des deux, de toute façon, ici, néglige l'autre, hein, d'accord? Et du coup, bah, il y a quelqu'un, il y en a un des deux qui en aura marre et qui mettra un stop à cette relation ou ce couple ici, hein, d'accord? Il y en a un des deux qui prendra cette décision. Pour d'autres, eh bien, ça veut parler pour les Sagittaires. Pour d'autres, en fait, écoutez, hein, faites voir. On a été manipulé. D'accord? Ok, ça marche. Vous sortez totalement de l'illusion, mes célibataires, par rapport. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Neptune et tout ça, mais bon, je ne sais pas par rapport à vous. Moi, je sais par rapport à moi, la Vierge. Tac, tac, Sagittaire. Qu'est-ce que ça vous a touché cet été, enfin l'été dernier? Bon, on vous a illusionné, toujours est-il ici, on vous a manipulé, influencé, d'accord? Peut-être qu'on vous a rendu jaloux, jalouse, ou que vous aviez affaire à quelqu'un de jaloux ou jalouse, et qui avait une mainmise sur vous, un ascendant sur vous, une emprise sur vous. Et donc, du coup, mes célibataires, ça c'est votre passé, vous vous délusionnez hein, d'ailleurs, hein, et puis. De toute façon, je ne vais pas continuer, mais vous vous sentiez seul au final, en plus, face à cette personne. Et puis cette personne, c'est comme si elle vous a appauvri, parce qu'elle vous a pris votre énergie. D'accord? Donc, votre énergie, votre capital de nerfs, santé, et vous vous sentiez seul, même en étant avec cette personne. Hein, d'accord? Mais ça, c'est votre passé. Et ce qui est génial, hein, d'ailleurs, c'est qu'on guérit ici. Hein, d'accord? On a la vitalité, la santé, l'expansion. Mais on a la rencontre, surtout d'ici quelques temps, vous avez la rencontre avec une nouvelle personne. Donc, du coup, au lieu d'être seul, mais célibataire, ben là, il y a deux brosses à dents et c'est une chance. Hein, d'accord? Et puis, il y a la tendresse. Et le flirt, d'accord. Et puis mes célibataires, en fait, c'est deux cœurs qui sont très attirés et qui vont s'imbriquer, enfin, qui vont s'attirer comme deux aimants, ces cœurs, qui n'en feront plus qu'un. Vous voyez, on se sentait seul et cette personne, elle était là quand même par intérêt ou par argent ou sexuellement ou autre chose, hein, d'accord. Vous vous permettez, vous sortez de ce passé vous allez être dans la légèreté, hein, d'accord, avec cette nouvelle personne. Et puis, vous allez réparer votre cœur, d'accord. Vous allez réparer votre cœur puisqu'on avait la guérison en dessous, vous vous souvenez, hein, d'accord. Et aussi, il a fallu peut-être vous retrouver un temps, moi, je ne sais pas combien de temps, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien. Ou peut-être un petit peu encore, hein, pour bientôt, mais pour guérir ce cœur et vous reconstruire, et du coup, on reconstruit son cœur ici. Hein. Voilà, mes chers. Excusez-moi. Bah, écoutez, on va concrétiser, mes célibataires. Par contre, ici, bah, écoutez, vous êtes prévenus. Et on peut passer par la justice, d'ailleurs.
Alors, est-ce qu'un des deux veut se réconcilier et l'autre non? L'autre n'a pas envie. Ça pourrait être ça aussi en haut, hein, d'accord? Au niveau d'un couple ou d'une relation ou d'un couple. En tout cas, il y avait un manque de respect, c'était pas égal. Et en tout cas, c'était pas égal du tout. Il y avait un manque de respect et on vous a négligé. Ou alors après, c'est peut-être c'est vous, hein. Les énergies sont interchangeables, à vous de voir. Ne me dites pas non, c'est pas moi, c'est lui ou c'est elle. Les énergies sont interchangeables et voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Merci pour tout. À bientôt. Bisous.